Cet événement est à l'initiative de la région Île-de-France, qui souhaite en fait proposer pendant les vacances des activités de sport d'hiver à ceux qui ne peuvent pas partir en vacances à la montagne. Alors on est à 20 km de Paris, à Torcy, sur la base de l'UCPA. Et on a réalisé un espace de neige de 1000 m². Ça fait 10 ans qu'on enneige cet événement qui s'appelle le village sportif d'hiver. Pour cette 10e année, on a un nouveau partenaire, KTI, une société allemande, qui nous fournit un matériel beaucoup plus performant. On produit 100 m3 par 24 heures, ce qui nous permet d'avoir une bonne puissance de production par rapport aux intempéries et à maintenir cet espace qui est dédié au ski et à la luge. Allez, allez, pousse! Allez, attends. Allez, oh yes! Monsieur, je peux y aller? Monsieur, je suis prête. Tu sais t'arrêter? Oui. Alors, tu y vas. La production de neige est effectuée par 3 générateurs de glace écaille qui congèlent de l'eau à moins 30 degrés. Il n'y a pas d'ajout de produits chimiques, ça j'insiste, on n'a pas d'impact sur l'environnement. Tout ce dispositif est containérisé dans la machine de KTI. On produit 2 tonnes à l'heure, ce qui fait en gros 100 mètres cubes par 24 heures. Et ensuite, cette matière est broyée et soufflée par un dispositif pneumatique pour l'amener à peu près à 50 mètres du conteneur et le souffler sur la piste. On va faire du chasse-neige. Ouais, je sais pas faire, moi. C'est comment? C'est comme quand on est sur le côté? Non. Chasse-neige, c'est on rapproche la pointe des skis et on pousse très fort, très loin les talons. On y va? Tu ne t'appuies pas sur moi, tu appuies sur tes skis, d'accord? Donc la technique, on fait une production en tas, parce que quand c'est en tas, on a une meilleure résistance à la fonte. Et ensuite, avant l'ouverture de l'événement, on étale la neige à l'aide de l'engin de damage. On dame, on compresse bien les couches de neige pour chasser les calories, chasser l'air. Et comme ça, on a une piste bien plate et bien glissante. L'enneigement permet d'avoir de la neige par tous les temps, en fait, même par des températures positives. Et ça nous permet donc de réaliser des espaces de neige un peu où on veut, quand on veut. Ah bah, de ski à Paris, c'est l'activité à notre porte, ce qui est quand même assez rare. Et plutôt que de faire 600 ou 700 km pour atteindre les Alpes, et bah là, on nous amène la neige à notre porte. Et c'est quand même l'idéal pour faire découvrir à des personnes qui n'ont pas cette possibilité, les activités de glisse du ski. Voilà, monsieur, je peux en faire? Oui, tu fais toute seule maintenant. Là, regarde. Parfait, tu termines l'arrière du ski. Allez, voilà. Quand tu descends, tu fais... Tu fais... Prends ton temps. Non, c'est pas dur, regarde, ça rigole. Regarde devant toi. Non, regarde pas tes skis, regarde devant toi. Regarde le paysage. Bah, la neige, je vous dis, c'est une grande chance d'avoir une surface de neige aussi importante à Paris. Alors, effectivement, la température n'est pas l'idéal pour la neige, mais les techniciens s'en occupent et nous la rendent tout à fait praticable. Et les jeunes, en général, ont plaisir à avoir touché, à avoir goûté, à avoir skié sur cette neige. C'est génial. Super bien, parce que... Bah, ça fait peur un tout petit peu aussi. Parce qu'on glisse et c'est drôle, surtout, moi j'adore tomber. Bah, c'est bizarre parce que je suis jamais partie... J'ai jamais fait de ski et c'est vraiment une première pour moi. C'est nul parce que je fais que tomber. J'avais jamais skié à Paris, puis c'est bien, la neige elle est bonne, c'est des bonnes idées, c'est super bien.
Ouais, je trouve ça amusant et j'ai bien envie d'en refaire. C'est hyper facile, c'est mortel. Trop bien.